Salut tout le monde, c'est Lunimoon et je suis tout seul pour l'instant pour un nouvel épisode de Fear, l'épisode 5. Whitekick n'est pas encore avec moi, il est à table, c'est normal, et comme on n'a pas beaucoup de temps, et ben je commence tout seul. Alors c'est parti, hop. On s'en était arrêté là la dernière fois, si vous avez pas très bien vu, à cause de l'épisode hors série justement. D'ailleurs, j'en suis désolé, hein, c'est une très bête erreur de ma part. Et donc, voilà, hop, c'est parti. On va se faire flipper. Saving checkpoint. Donc, si vous n'avez pas compris, en gros, la dernière fois, comme je n'avais... Enfin, si je vous ai expliqué au début de la vidéo, donc les images n'étaient pas synchro. Voilà. Alors... Un petit one shot. Ah non. Allez. Donc oui, donc si vous avez pas compris aussi, c'est que mon ordi a la batterie qui est morte. Donc je vais le changer, vous inquiétez pas. Oh putain, une grenade. Donc je vais le changer l'année prochaine et oui, il faudra attendre un petit peu de temps. Je vais avoir un petit PC assez sympathique puisque c'est un informaticien qui va me le faire. Et donc j'aurai un PC qui sera hyper puissant. Donc j'ai vraiment hâte. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon. Ok. Ça me prend. Donc voilà, ça fait 1 minute. On va faire un petit épisode de 20 minutes. Je vais essayer de pas trop faire d'ellipse. Comme ça, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois on en faisait 3. Je sais pas pourquoi, c'est le destin qui nous en veut. Je sais pas. Donc 3, voilà. Je vais essayer d'en faire. Pas 3 justement, je vais essayer d'en faire beaucoup moins. Une ou deux, je sais pas. Parce qu'il y aura sûrement White qui appellera du coup. Et attendez, hop, ça je vais prendre ça. Voilà, j'ai plus de vie, j'ai failli mourir. Ouais, et donc je voulais savoir si vous connaissez un logiciel de capture de vidéo pour PS2. Parce que j'ai acheté Kingdom Hearts il n'y a pas longtemps. Et ce jeu, c'est mon jeu pas préféré, mais un de mes préférés. Oui, j'en ai plusieurs, genre Jack, toute la série des Jack et Daxter, tout ça. J'adore. Donc ces jeux-là, cette sorte de jeux sont mes préférés. Voilà. Et donc je voulais savoir si vous aviez pas... Si vous ne connaissez pas un logiciel de capture. Wally Walou. Ouais. oui. Voilà. C'est à... Oh putain, c'est qui lui? Bon bah première mort de la série. Ah oui, j'ai vu qu'on a 20 abonnés. Wouhou! C'est génial, franchement, ça me fait super plaisir. 20 abonnés, c'est... Peut-être que pour vous, c'est rien, mais... En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Moi, franchement, je pensais pas que j'arriverais à ce point. 20 abonnés, bientôt 500 vues, c'est énorme. Franchement, ça me fait très très plaisir. Oups. Explosé. Sympathique. Merde, je suis con. Voilà. Hop. Voilà. Bon, il tire d'où lui? Il y a un gros bug. Voilà, et donc revenons-en à mon ordi, même si c'est pas trop le sujet et que vous vous en foutez. Ça, je sais pas quand ça s'est fait.
C'est comme ça d'un coup. Je rentrais de l'école. Enfin, du collège plutôt. Je rentrais du collège et là, j'allume mon ordi, il tient 5 minutes, après il s'éteint. Au début, je croyais que c'était dû au faux contact de ma prise. Et oui, parce qu'il date, hein, mon ordi. Il a, je sais pas, je crois 7 ans. Ça, c'est beaucoup quand même. Et pourtant, il est assez puissant, je trouve. C'est bien, je suis étonné. Voilà. Hop, hop, d'autre. On recharge. Hop, alors H, voilà, ouais. Ça. On va prendre ça pour le gros truc qui nous a tués. On va prendre le fusil à pompe. Là, c'est efficace. Wow, alors, hop. Ça, c'est précis, c'est pour moi. Voilà. Ouh, ça a dû faire mal. Alors, non, on va peut-être prendre ce genre de grenade. Fusil à pompe, c'est parti. Voilà. Quoi, il est encore vivant? Mais c'est quoi ce truc? Waouh. Il est pas mort. J'ai dû. Mais vous avez vu le nombre de kills que j'ai fait? Oh là là. Bon, j'espère que cette arme. Ah, mais oui! C'est la fameuse arme qui lance des pieux! C'est bien drôle. Bon, alors on va sauvegarder. Hop. Ça fait pas de mal. Ah, cette arme, elle est marrante. Regardez, je vais essayer de faire un truc avec. S'il y a bien un ennemi qui veut se montrer. Ouais, là. Alors ici, je me rappelle qu'il y avait, hop, ça. Tu veux bien monter? Non, tu veux pas. Attendez, vous entendez peut-être pas trop le truc. J'augmente le son. Voilà. Voilà, hop. On va prendre ça. Ça y est, je crois que vous entendez mieux là. Voilà, alors regardez, regardez bien comme c'est trop drôle. Voilà, vous voyez, il y a un pieu planté là-dedans. Bon, toi, tu vas pas me sauver. Hop, sous le mur, voilà. C'est assez drôle quand même, le pieu là. On va pas trop gâcher cette arme, je vais plutôt prendre le fusil à pompe. Non, plutôt celle-là, voilà. Il y a assez de munitions. Donc j'imagine qu'il faut aller là, il n'y a personne, c'est bon. Hop. J'imagine qu'il faut actionner ça. Je sais pas, je pense qu'il va y avoir un truc. Je sais pas pourquoi. J'ai le pressentiment qu'il va forcément se passer un truc. Là, on peut rien faire. Je sais même pas à quoi ça a servi. À rien. Bon, go. Ah oui, ça a fait monter l'eau, j'ai l'impression. Wow. Ta ta ta. On va prendre ça. Hop, on est ready. Ah oui, et donc si White Kick avait un ordi plus puissant,
Ouais, parce que là, il a un nouvel ordi qui est vraiment. Oh! Voilà, je vais me taire un peu pour que vous puissiez écouter. Voilà, je n'ai pas très bien compris parce que je suis nul en anglais. Et voilà. Donc je saurais pas vous dire ce qui s'est passé. Donc on va faire une petite sauvegarde. Putain. Vous avez vu? Il y a la fille qui apparaît comme ça. Oh là là. J'en tremble. Voilà. Alors, pendant le temps de chargement, j'aimerais en profiter pour vous remercier encore une fois de votre soutien. Puis, si on a cette chaîne, c'est grâce à vous. Grâce à vous, enfin, si vous n'étiez pas là, si vous commentez pas, si vous aimiez pas, si vous regardez pas les vidéos. Bah, je pense pas enfin, on serait rien en gros. Et donc, voilà. Ah! Putain, mais regardez ça. C'est horrible. Bref, je vais là! Putain. Mais ils font vraiment flipper. C'est horrible. Ouais, donc je comprends pas trop hein, ce qu'ils disent. On va aller là pour l'instant. Ouais, donc si vous l'avez pas compris, le jeu est divisé en comment dire, deux parties, un peu, deux parties, une partie qui fait peur, justement, et avec des apparitions, des trucs comme ça, voilà, justement, et une partie avec que du combat, des réflexes, tout ça, et voilà, donc, oh putain. Il va y avoir un truc. Oh. C'est horrible. Et pile quand je suis tout seul, je suis à la partie qui fait peur. Hein. C'est bizarre. Ah bah c'est la partie qui est dans le menu du jeu principal. On voit le gars avec des traces de sang. Ah! Ah! Oh, putain, mais... de Dieu. Ce jeu va me faire une crise cardiaque. Vraiment. Va me faire d'ailleurs, plutôt. Pas français. Tout ça pour une trousse de soins. Putain, ils sont vaches. Je peux vraiment aller nulle part. Oh. Comment ils veulent que je fasse? Je peux pas ouvrir. Je fais quoi là? Ah mais là oui. Hop. Ok. J'emmène la grille avec moi. Bon. Peut toujours être utile. Ah. Horrible. Mais il y avait toujours son nom. Alma. It's Fatal Finds Her. Je sais pas ce que ça veut dire, Origins. Hop, 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 hop.
Oh. Voilà, donc là on est à la phase de combat. Putain, mais il avait un fusil à pompe, non? Ouais. Donc si vous avez joué à Fear, vous pouvez me dire s'il y a des trucs que je fais mal, s'il y a des trucs que j'ai oublié, s'il y a des techniques même pour éviter de se faire mal, de pas se faire repérer par les ennemis par exemple. Parce que moi j'ai jamais réussi. Hein. J'ai essayé de me cacher, de marcher, de mettre le réflexe là, mais rien à faire, il me voit toujours alors que je suis caché derrière un poteau. Il va pas apparaître là lui? Hein? Ok. Bon. Et je fais quoi là? Waouh, ça tire partout. Oh. Ah. Bon, oh putain. Bon, 16 minutes. Au final, j'aurais fait un épisode tout seul. Dans 5 minutes, on arrête. Parce que là, le temps presse. Et oui, oui. Je vais mettre là. Je vais direct tirer une grenade. Non, ils sont même pas morts. Ah oui, si vous avez joué à Fear 3, vous pouvez peut-être faire des comparaisons, nous envoyer une vidéo, peut-être de let's play, puis voilà. Et donc, je tenais à remercier spécialement Obsidule, qui nous soutient quasiment toutes les vidéos, il nous envoie, il nous met un message, un like, et, voilà. Donc, Obsidule, voilà. Et Tony Gum aussi. Qui nous soutient beaucoup. Je crois que c'est tout. Il y en a... ouais. Pour ma part, je... Voilà. peut-être que White Kick vous en dira plus. Moi, c'est les deux-là que je remercie très spécialement. Puis tous les autres, hein, bien sûr, qui sont abonnés. Qui nous ont soutenus, qui ont regardé nos vidéos, enfin voilà, je les remercie beaucoup. Et toute l'équipe d'ailleurs de Cubic Productions. Et voilà. Sympa. Il faut que j'arrête de dire voilà aussi. Donc voilà. Tout ça, faut que j'arrête de le dire. Je dis trop. Je propose de faire un compteur à chaque fois que je dirai voilà. Ou donc. Dites-le nous dans les commentaires. Enfin, dites-le moi, puisque je suis tout seul dans cet épisode. Tout seul, je vais le faire. Voilà, ça bug un peu. Je vais mettre ça de ce côté plutôt. Ça rame. Voilà. D'où ils viennent? Mais ça va, j'ai 94 munitions pour fusil à pompe, c'est tranquille. En plus, c'est les kills à fusil à pompe, ils sont vraiment drôles. Regardez, je vais chercher un ennemi. Il va y en avoir un. Quand même. Ah voilà, dernier kill. Hop, voilà. Vous avez vu. Bon, on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Je vais essayer de tuer lui. Hop. Ça ne servait à rien. Ah si. Regardez. C'est drôle. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, salut tout le monde, c'était le Nimoun sans White Kick pour cet épisode. Je pensais qu'il serait là, mais bon, apparemment pas. Donc, salut tout le monde.